Notamment les tests, les masques. Il y a une chorégraphie de prévue au palais de justice avec une jetée des masques. Donc toute une scénographie qui sera organisée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, Sand vous donnera tous les détails, vous expliquera tout au palais de justice. N'hésitez pas à aller la voir. Nous avons des masques en stock pour ceux qui souhaitent participer. Si vous en avez déjà, c'est parfait. Nous souhaitons également organiser donc deux choses dans les prochaines semaines. Alors arrêtez-moi si j'ai une bêtise au niveau de la date. Le 19 février, donc c'est bien ça, ok. Le 19 février, donc nous faisons un appel régional. Donc toute la Bourgogne est invitée à manifester sur Auxerre. Nous ferons ça de temps en temps, afin que l'on soit plus nombreux. Et nous avons également donc un projet qui est celui de mettre en place une manifestation qui aura pour thème les effets indésirables des vaccins. Alors, on vous en a déjà parlé précédemment. On souhaite recueillir des témoignages de personnes qui se seraient fait vacciner et qui aujourd'hui en payent le prix. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont été vaccinés, qui ont des effets secondaires, si vous connaissez quelqu'un, un proche, un ami, un collègue, essayez de parler, de mentionner ce projet. Alors, l'idée, ce serait que les personnes témoignent par elles-mêmes, mais si elles ne sont pas assez à l'aise en public, elles peuvent très bien donc rédiger donc leur prise de parole, et l'un d'entre nous la lira à ce moment-là. Donc, c'est, je pense, c'est important de le faire, parce que comme vous le voyez, alors, pas super mise. Comme vous le voyez, c'est une banderole qu'on a, celle-ci, depuis quasiment le début, qui envoie un message fort, à savoir vacciner, non vacciner, tous ensemble contre le pass sanitaire, aujourd'hui vaccinal. Et ça, c'est quelque chose qui reste et qui restera. Alors, je sais que... parmi nous, il y a sûrement des personnes qui sont anti-vax, qui sont... Et ça, c'est libre à eux, comme libre aux personnes de s'être fait vacciner. Certains l'ont fait par choix, d'autres l'ont fait par contrainte, d'autres encore l'ont fait pour peut-être retrouver un confort, pour retrouver une vie, une illusion, soyons clairs. Mais nous sommes là pour prôner la liberté de choisir. Peu importe les choix de chacun, nous sommes réunis contre ce pass de la honte et contre l'obligation vaccinale ou la vaccination, l'injection forcée. Donc, j'espère que vous garderez à l'esprit donc, cet esprit d'unité, cet esprit de solidarité, je vais y arriver, avec ces personnes qui ont été trompées par les médias, qui ont été trompées par le gouvernement et qui aujourd'hui s'en rendent compte. On doit être là justement pour leur tendre la main et ne pas les rejeter. Il ne faut pas, il y a des personnes qui aujourd'hui prennent conscience de tout ça. Il y en a de plus en plus qui se réveillent. Alors soyons là pour les soutenir, soyons là pour les informer, soyons là pour les guider, soyons là pour leur apporter la vérité, soyons là pour leur montrer que tout ce que les médias leur balancent, toutes ces informations sont mensongères. Soyons là pour eux, pour leur tendre la main, tous ensemble, vaccinés, non vaccinés, contre le pass vaccinal. Et j'espère qu'on arrivera à avoir des témoignages. L'idée, c'est d'informer. Et l'idéal, ce serait de faire des témoignages dans des lieux où il y a du passage pour que les personnes qui sont
dans leur quotidien, qui ne prennent pas conscience de tout ça, qui n'ont pas encore pris conscience de tout ça, qu'ils entendent ces témoignages et qu'ils se rendent compte à quel point cette injection peut être dangereuse pour certaines personnes. Je dis bien pour certaines personnes. Je vous remercie. Facteur de
c'est lui qui a eu l'idée de faire cette petite action. Donc, on ne pouvait pas trop la faire avant, puisque la préfecture nous demandait de vous demander de mettre les masques. Mais là, depuis mercredi, vous savez tous que nous n'avons plus besoin des masques en extérieur. D'ailleurs, on est allé déposer une petite guirlande de masques de 15 mètres à l'ARS pour les remercier de nous autoriser à avoir des masques en extérieur. Et là, l'idée pour les volontaires, on a des jolis masques avec plein de couleurs, des petits messages. Et on va se mettre sur les marches, on essaye de se mettre, de savoir dégrader. Et on va acheter tous nos masques en même temps pour avoir un joli visuel avec Thierry qui nous fait de la vidéo, Fanny qui nous fait de la vidéo, et Fab qui nous fait des photos. Et il y a même Anaïs qui nous fait de la vidéo. Alors on va avoir un super truc. Donc pour les personnes qui sont volontaires, j'en ai, je pense, une vingtaine. Et Fanny, elle en a encore plein dans son sac. Ils sont moins jolis, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Si tu veux. Faites-vous plaisir. Et à l'école, ça marche toujours. Ah ouais, mais pour l'instant, c'est juste en extérieur qu'ils vont dire. N'hésitez pas. Enfin, restez sur les marches avec nous. Et puis, disposez-vous à l'escalier de manière à ce qu'on puisse avoir une petite. Je pense que je vais être obligée d'aller chercher ce que Fanny a. Attendez, j'en ai encore. Bougez pas. Ils ont. On les ramassera nous-mêmes, t'inquiète pas. Go! Go! Et là, on fait ça! Et en rire, enfin symboliquement bien sûr, car faire le cochon pendu, c'est voir autrement la vie. La force du système, c'est de louvoyer. Son habilité à nous diviser n'est pas d'hier, mais toujours d'une efficacité diabolique. Nous, les gens d'en bas, peut-être pire que nos bourreaux, car nous ne trouvons qu'une faible raison de nous unir et une très grande raison de nous comporter comme des médiocres, comme des minables citoyens prêts à se réjouir du malheur de l'autre, et dénoncer l'ennemi non vacciné. Montrer du doigt avec autorité et violence verbale, c'est un constat, et malheureusement la triste vérité. Mort aux anti-vaccins, mort aux antipasses. Ce monde d'en haut qui m'interpelle sur plusieurs points. Surtout leur solidarité pour nous faire avaler des couleuvres en couleurs. Serions-nous trop orgueilleux, trop intelligents et égoïstes pour accueillir notre bêtise, notre stupidité, notre pauvreté intérieure, ainsi que notre colère qui fait des ravages. Simplement à l'idée d'être supérieur à son semblable et d'avoir en prime un poste de pouvoir, si petit soit-il, alors là, bien trop souvent c'est le bouquet final de la connerie par une autorité minable. Pendant ce temps-là, en haut, c'est l'union pour le pouvoir et l'argent. Un jeu d'échecs prend vie sur leur grande table pour jouer avec nous. Ils nous montrent en permanence comment nous pouvons créer notre solidarité. Et nous, continuons à, excusez-moi l'expression, nous faire dessus, à nous détester à la moindre occasion. C'est facile à dire, c'est facile d'écrire, alors respect à tous ici, respect à toutes les actions solidaires. Un exemple parmi tant d'autres, pour et sous des prétextes de sauver la planète, sauver nos vies, sauver nos animaux, des animaux, sauver la planète que nous détruisons, la planète, on dit c'est con, des animaux innocents, le tout pour des recherches inutiles, ainsi pour sauver nos vies, notre nombril. Entre peur et colère, que pouvons-nous faire? Le gouvernement, et nous nous mentons aussi, je ne vois pas de différence à ce niveau-là. Le système a un seul but. Derrière ce scénario, un seul objectif, cultiver la peur. Et ça marche très bien. Les exemples ne manquent pas. La peur fait des miracles, faisons renaître la trahison, toujours à l'horizon, sans frontières et sans raison. Déjà hier et avant-hier, beaucoup trop. Bonjour Jean Moulin. Même entre amis, c'est une colère et une incompréhension qui prend racine à l'image de cette violence qui peut rester en nous toute une vie.
La peur n'a pas de limite et nous ne sommes que des pauvres êtres humains, avec bien souvent un pied dans la vase, une main dans le plâtre, et la tête, alouette, je te plumerai. Des infos qui sont amenées à changer sur les jours prochains, puisque elles nous sont communiquées au compte-gouttes, donc au sujet du convoi de la liberté. Alors, est-ce que tout le monde en a entendu parler ? Non ! Il y a des noms. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en fait, c'est un mouvement qui a vu le jour au Canada, où en fait, les camionneurs, donc les routiers canadiens, ont décidé de s'unir tous ensemble. Donc, pour protester contre les mesures sanitaires actuelles, tous les protocoles. Et ils se sont tous dirigés ensemble vers Ottawa, ont encerclé la ville, un peu comme un siège, on va dire ça comme ça. Et donc, avec des revendications, donc celle de demander au gouvernement canadien de retirer donc, les mesures sanitaires. Donc là, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis le 29 janvier qu'ils sont à Ottawa, et donc 7 jours maintenant. Ottawa, Québec, Toronto. Parce qu'il y avait une vaccination obligatoire pour les États-Unis. Okay. Alors, j'ai eu une info ce matin, mais je pense que là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'elle n'a pas été vérifiée, soi-disant qu'ils auraient obtenu la levée des restrictions. Mais vraiment des grosses pincettes parce que je pense qu'on en aurait entendu parler, il y aurait eu des lives dans tous les sens et moi, je n'ai absolument rien vu à ce niveau-là. Donc, mais en tout cas, même si ce n'est pas encore arrivé, j'ai la certitude que demain, ça va arriver et que nous, en France, nous prenons le même chemin. Alors, c'est exactement le même modèle, donc on s'est inspiré des Canadiens, il y a différents trajets donc un peu partout en France. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui qui est en partance de Nice, donc qui part le mercredi 9 février pour arriver à proximité de Lyon aux alentours du 11. Alors, ce que nous avons prévu de faire, puisqu'il ne passe pas par Auxerre, il va passer à proximité de Sens. Donc c'est d'organiser des points de ralliement pour rejoindre ce convoi. L'objectif du convoi, c'est d'aller sur Paris. Une fois sur Paris, il y a deux possibilités. Soit bah, vous restez sur place, vous manifestez le lendemain, soit...
soit vous partez direction Bruxelles, puisque donc tous les pays européens sont invités justement à aller à Bruxelles le 14. Donc dans la même idée qu'au Canada, c'est-à-dire d'aller à Bruxelles et de dire stop avec toutes ces restrictions, stop avec tous ces protocoles, on ne bougera pas tant que vous ne lèverez pas toutes ces restrictions. Et donc c'est l'objectif ultime. Donc nous, on s'est un peu renseigné de notre côté, le convoi passera au plus près de nous, donc au niveau de Sens, mais ils ne marqueront pas d'arrêt à Sens. Il y a un arrêt, en revanche, qui sera prévu à Troyes. Donc nous avons mis en place différents points de ralliement, donc un à Avallon, un à Auxerre et un à Sens. Donc vous avez toutes les infos sur les réseaux, je suppose que tout le monde n'est pas sur les réseaux, Facebook, Telegram, d'accord. Donc alors, à Auxerre, donc, je vous invite vraiment à noter, du coup. Il est possible qu'il y ait des changements, donc si vous souhaitez être au courant des changements, peut-être renseignez-vous, est-ce que vous avez l'adresse mail de l'association ou pas? Ok, sinon Josette après va distribuer des papiers, nous avons des papiers avec le moyen de nous contacter, donc si vous avez besoin d'infos et que vous n'êtes pas sur les réseaux, on vous enverra des mails à ce sujet ici même, puisque les infos sont amenées à évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, pour Auxerre, ce n'est pas censé bouger, on se retrouvera au parking de la Noue. Le parking de la Noue, c'est le parking qui est donc face au stade nautique de l'Arbre Sec. Vous voyez tous c'est où? Ok. C'est ça, c'est au niveau de l'Agir. Donc, l'idée, donc, c'est le vendredi 11, on se retrouve donc à... J'ai un trou de mémoire. 13h. 13h. Donc, on a rendez-vous à 13h donc, au parking de la Noue pour un départ à 14h. On se laisse un temps d'une heure pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui souhaitent s'organiser en covoiturage, il y a des personnes qui souhaitent aider et participer au ravitaillement du convoi qui s'arrêtera pendant une heure à Troyes, mais qui ne veulent pas venir. Donc à ce moment-là, ces personnes pourront très bien donc venir au parking de la Noue avec des dons alimentaires et les donner aux personnes qui vont rejoindre Troyes. Voilà. Donc si, même si vous ne souhaitez pas participer au convoi ou que vous ne souhaitez pas aller à Troyes, c'est possible, vous pouvez faire des dons alimentaires aux différents points de ralliement dans le 89. Donc Auxerre, 13h, parking de la Noue. À Avallon, il est possible qu'il y ait un changement, donc également à prendre avec des pincettes, il y a un parking qui est juste à côté de l'hôpital, donc au niveau de la jonction de la route de Paris et de la rue de l'hôpital, donc un grand parking. On m'a fait remonter l'information qu'il y aurait peut-être donc un cirque en ce moment à cet endroit, donc à vous de me confirmer si c'est le cas ou pas. Il y a bien un cirque à cet endroit, et c'est bien ce parking du coup? Ouais, c'est juste en face du cimetière, c'est ça. Ok. Bon, du coup, le lieu est amené à changer. Donc, je reviendrai vers vous à ce sujet. Et au niveau de Sens, donc, le parking qui a été proposé, malheureusement, est du côté donc, du centre-ville. Il y a beaucoup de passages le vendredi. C'est une zone bleue. C'est très compliqué pour les camions à circuler. Donc, on m'a fait plusieurs propositions. Olivier, tu m'avais parlé d'un parking. Tu peux me rappeler? C'est le cinéma de Sens. Les confluences à Sens, donc au niveau du cinéma. Donc encore une fois, info qui peut être modifiée dans les jours prochains, puisque comme vous le savez, nous en local, on a vraiment les infos au compte-gouttes. Il n'y a même pas le trajet définitif qui est validé, le trajet précis. On a seulement le trajet pour autoroute, mais le convoi ne prendra pas l'autoroute. Mais en tout cas, on a plus ou moins les grandes lignes, et on sait qu'il passera à Troyes, ça c'est une info sûre, et on sait également qu'il passera à proximité de Sens. Une antenne culture qui s'est montée suite aux manifs, c'était en août, et l'antenne culture est toujours actuelle et elle vit. Et pour vous dire que vous êtes les bienvenus, ceux que ça intéresse, pour la rejoindre. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, il suffit simplement de venir me voir voilà, dans la manif ou à la fin, venez me voir. Parce qu'en fait, on a été. Enfin, les gens qui l'ont constitué, c'est des gens qui étaient là spontanément en août, mais il y a des nouvelles personnes peut-être qui peuvent être intéressées. On est ouvert à des nouveaux entrants dans notre antenne culture. Il y a des artistes, mais pas seulement. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde qui pourrait être intéressé. C'est très convivial, vous êtes les bienvenus, venez me parler si ça vous intéresse, pour avoir plus d'infos. C'est tout, merci. Voilà, je voulais savoir si... Enfin, je vais vous parler de la campagne de mailing, qui est à l'initiative du collectif Laissons les médecins prescrits. Est-ce que tout le monde connaît? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles têtes que vous ne connaissez pas. Donc,
voilà. Donc il faut savoir qu'on a, que dans Lyon, il y a beaucoup de personnes et de collectifs qui se sont investis pour envoyer ces mails au courrier des décideurs locaux. Par contre, il reste quand même plein de mails à faire. Donc là, on a besoin de vous. Donc, sur... il y en a qui n'ont pas Internet et donc qui viennent me voir à la fin, je pourrais leur donner la lettre et la façon de faire pour les envoyer en lettre commandée aux décideurs. Parce qu'il faut savoir que les décideurs, c'est-à-dire nos élus, nos maires, soi-disant ne sont pas au courant de ce qui se passe, donc il faut peut-être les avertir quand même, parce que c'est un petit peu dommage. Et puis ben, le jour où peut-être que ça tombera, ben, ils ne pourront pas bien les aider. Alors c'est au peuple, et c'est son devoir, de se lever et de dénoncer la pensée unique. Quand dans un pays, il n'y a plus qu'un seul discours, univoque, sans contradiction, sans contre-pouvoir, c'est que la démocratie n'existe plus, et c'est la situation que nous vivons. Alors monsieur, assis sur votre chaise à la terrasse de ce café, c'est cela que vous cautionnez, la fin de la démocratie que vous acceptez, et vous continuerez de renoncement en renoncement. Et c'est précisément contre cela que nous luttons en manifestant tous les samedis, ne vous déplaise. Mais c'est ce mouvement-là qui restera dans l'histoire, pas votre cul sur la chaise de ce café. Alors ne vous trompez pas de posture, levez-vous, rejoignez-nous. Car notre devoir n'est pas de laisser faire et entretenir par notre silence cette dictature. Notre devoir, c'est de se lever et de dire non. C'est notre raison d'être dans les rues d'Auxerre et dans les rues de toutes les villes de France.